Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Nous voulons dire merci à Dieu qui permet qu'on voie ce nouveau jour et cette fin de mois de septembre. Nous devons toujours lui rendre grâce, toujours le célébrer, toujours l'élever, toujours l'exalter. Alors, bien-aimé, sans regarder à ce qui n'a pas encore été fait, mais essayant de compter ses bienfaits, élève ta voix et commence à dire merci à Dieu pour ce nouveau jour. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci pour son amour, pour sa fidélité. Dis-lui merci pour les choses que tu n'as pas demandées, mais que lui t'accorde en tant que bon Père qui connaît toutes choses. Dis-lui merci pour la force qu'il te donne d'aller de l'avant. Dis-lui merci. Je vois quelqu'un être relevé. Je vois quelqu'un vivre des portes ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'inonde, mon frère. Que la grâce de Dieu t'inonde, ma sœur. Que la paix de Dieu environne ta maison ce matin. Que la paix de Dieu environne tout ce qui t'appartient ce matin. Partout où tu te trouves, nous décrétons la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bienvenue encore en ces temps d'exhortation. Nous disons merci à Dieu, c'est Annie Flor Zoa. Alors nous continuons et nous parlons ce matin, nous disons la bataille se trouve dans vos pensées. La bataille se trouve dans vos pensées. La bataille se trouve dans vos pensées. Bien-aimé, c'est le point clé. Vous n'irez jamais au-delà des limites de vos pensées. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, alors vous n'y arriverez pas. Le champ de bataille se trouve dans vos pensées. Si vous êtes vaincu, bien-aimé, dans votre esprit, vous avez déjà perdu la bataille. Si vous pensez que vos rêves ne se réaliseront jamais, alors ce sera le cas. Si vous ne pensez pas que vous avez ce qu'il faut pour vous lever et fixer un nouveau standard, bien-aimé, cela n'arrivera jamais. La bataille se trouve dans vos pensées. Dans vos pensées. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle dans le livre de Corinthiens des forteresses. Les forteresses dans les pensées. C'est un schéma de pensée, quand on parle des forteresses dans les pensées, c'est un schéma de pensée erroné qui nous enferme dans la défaite. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il est tellement important d'avoir les pensées positives, les pensées d'espoir, les pensées de foi, bien-aimé, les pensées de victoire. Amen, amen. Tu dois, au jour d'aujourd'hui, comme je te le dis depuis lundi, changer tes pensées. Voir grand. Rompre les barrières avec le passé. Il se peut que quelqu'un, peut-être, vous ait dit des paroles négatives, que des experts ont dû vous dire que vous n'allez jamais connaître le succès, que vous n'atteindrez peut-être jamais le sommet, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour accomplir une vision ou un rêve bien-aimé, que peut-être vous n'allez jamais vous en sortir par rapport à cette maladie. Je viens vous dire ce matin, n'écoutez pas ces mensonges. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Faites tomber les barrières du passé et laissez votre esprit garder des attitudes de foi, des attitudes de victoire. Amen, amen. Faites tomber ce matin les barrières qui vous empêchent d'avancer et vous allez voir votre vie et celle de vos enfants transformées. Il est courant, bien-aimé, pour les coureurs professionnels d'aujourd'hui de battre des records en quelques minutes. Ce n'est même plus une grosse affaire. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont vécu des situations. Je me rappelle de l'histoire de ce jeune homme dont j'oublie le nom dans la course. On lui disait, tu ne peux pas atteindre tel nombre de minutes en tel nombre de mètres, de kilomètres. Mais il a balayé tout ce qu'on lui avait dit. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a dépassé le standard que le monde avait déjà établi. Amen, amen. Le standard du monde avait déjà établi que tu ne peux que faire tel nombre de minutes pour telle distance. Lui, il a balayé cela. Il voyait qu'il va dépasser ce record et il l'a fait. Amen.
Donc, bien-aimé, si au jour d'aujourd'hui, tu vis dans une société, et tous nous vivons dans des sociétés, dans cette société, dans des familles où des lois sont établies, où on a déjà dit, voici ce qui doit se passer, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous avons grandi avec cela. Nous avons vu les gens être limités par rapport à ces limites, par rapport à toutes ces barrières. Bien-aimé, si tu ne fais pas tomber ces barrières-là, d'abord à l'intérieur de toi, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas avancer. De la même manière, si tu négliges de faire tomber les barrières du passé, tu cours le risque de tourner en rond. Tu cours le risque de faire des cercles sur place. L'exemple, c'est lorsque Dieu avait conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, où ils avaient vécu dans l'esclavage durant 450 années. Ils se sont dirigés tout droit vers la terre promise. Et ce voyage aurait dû faire 11 jours. Mais il leur a fallu combien de temps? 40 ans pour arriver. Pourquoi? Parce qu'ils pourquoi? Ils ont dû errer dans le désert. Ils ont dû tourner tout autour de la même montagne jour après jour sans faire de progrès. Alors que Dieu avait préparé le pays où coule le lait, où coule le miel. C'était un endroit d'abondance, un endroit de grande liberté. Mais bien-aimé, le peuple a été battu pendant tellement longtemps par leurs oppresseurs. Ils ont été maltraités, ils ont été utilisés, mis à profit pendant 430 années, de telle sorte que même quand Dieu, mon frère, ma soeur, arrive devant eux pour leur donner une bonne nouvelle, ils n'arrivaient pas à concevoir que ça puisse être vrai. Oui, la captivité avait déjà tellement été implantée dans leur sang, dans leurs os, que quand on vient leur dire que vous allez partir, les gars croient que c'est la blague. Les gars croient que c'est impossible. Ils ne pouvaient même pas accueillir la sortie de l'Égypte dans leur propre mentalité. C'est pour ça qu'au lieu d'aller de l'avant dans une attitude de foi et s'attendant à de bonnes choses, ils ont continué de tourner en rond avec la mentalité de vaincu, la mentalité d'esclave. Ils ont tourné en rond concernant leur propre, cette situation. Ils ont murmuré sans cesse, s'inquiétant devant les obstacles qui se dressaient entre eux et leur destinée. Bien-aimés, et finalement, Dieu va les secouer pour les faire sortir de l'autosatisfaction. Il va leur dire, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen, amen. Nous sommes dans Deutéronome. Attends que je prenne cela. Dans Deutéronome chapitre 1, amen, amen. Deutéronome chapitre 1 au verset 4. Amen, amen. Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 4, mais tu liras particulièrement le verset 6. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Je crois que ce matin également, Dieu veut dire à quelqu'un quelque chose de similaire. Bien-aimé, que tu as suffisamment demeuré à cet endroit. C'est le moment pour toi de bouger. C'est le moment pour toi de lâcher les blessures du passé. C'est le moment pour toi de laisser les échecs passer. Il est temps de croire plus grand. Il est temps pour toi de voir que tu vas avoir cette promotion. Il est temps pour toi de croire au surnaturel de Dieu. Il est temps pour toi de voir les grandes choses que Dieu a en réserve pour toi. Bien-aimé, c'est un jour nouveau, bien-aimé, c'est des nouvelles saisons. Saisis ces saisons, ne les lâche pas dans le nom puissant de Jésus. Tu as assez demeuré sur place, tu as assez demeuré dans cette pensée, tu as assez demeuré tout autour et tourné à cause de tout ce que tu as vécu dans le passé, à cause des échecs passés, à cause des déceptions passées, au point où tu ne vois plus grand au jour d'aujourd'hui. Peut-être que tu as souffert d'abus ou quelqu'un t'a maltraité, quelqu'un t'a laissé tomber, quelqu'un t'a causé beaucoup de tort. Bien-aimé, tu es au jour d'aujourd'hui avec Dieu et Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Tu dois au jour d'aujourd'hui ne pas laisser ce passé entraver ton avenir meilleur que Dieu a pour toi. La Bible ne nous promet-elle pas, bien-aimé, de nous donner une double portion au lieu de l'opprobre? Cela signifie quoi? Cela signifie que si au jour d'aujourd'hui tu gardes une bonne attitude, Dieu te donnera des grandes choses encore. Dieu additionnera au jour d'aujourd'hui le peu même que tu avais, il multipliera, il te ôtera de cette honte, de ces injustices. Mais tu dois commencer toi-même par faire ta part. Et comment est-ce que tu peux faire ta part au jour d'aujourd'hui? Tu dois commencer à t'attendre à de bonnes choses. Tu dois garder ton esprit en mouvement dans la bonne direction. Tu dois cesser de voir les échecs antérieurs parce que tu ne peux pas bien avoir, bien aimé, avoir une mentalité de victime et t'attendre à vivre la victoire. Tu ne peux pas vivre dans un apitoiement perpétuel et demander ensuite
au jour d'aujourd'hui, aux situations de s'améliorer. Bien-aimé, si tu ne changes pas ta façon de penser, Dieu ne pourra pas changer au jour d'aujourd'hui ta vie. Change ta façon de penser. Change ta façon de penser. Dieu est juste. Il sait que lorsque les gens nous maltraitent, il sait quand les gens nous maltraitent. Il sait lorsque nous faisons ce qui est juste. Il sait aussi au jour d'aujourd'hui que l'injustice continue même à se manifester dans nos vies. Dieu sait lorsque nous agissons avec intégrité. Et il sait aussi au jour d'aujourd'hui quand les gens nous escroquent. Il voit tout. Dieu voit toutes les fois où on a profité de toi, mon frère, où on a profité de toi, ma sœur. Dieu voit toutes les fois au jour d'aujourd'hui où les gens t'offensent, bien-aimé. Il voit toutes les fois au jour d'aujourd'hui où tu pardonnes, où tu tentes même de restaurer certaines relations, mais tu es rejeté. Dieu voit tout cela. Dieu a son fichier. Mais sache une chose, Dieu a promis de prendre tout le mal que l'on t'a fait et te détourner de ce mal et l'utiliser pour ton bien. Dieu a décidé de changer les choses en ta faveur. Puisses-tu voir cela? Puisses-tu croire à cela? Mais la question que je m'en vais te poser, es-tu d'accord de changer toi-même ta façon de penser? Parce que si ta pensée ne change pas, si ta façon de penser ne change pas par rapport à tout ce par quoi tu passes, tu ne vas pas au jour d'aujourd'hui voir les choses changer. Tu ne vas pas vivre le changement. Alors, tu dois toi-même au jour d'aujourd'hui cesser de mettre les barrières devant ta vie. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, Dieu travaille à ce que leur vie change, mais eux-mêmes, ils travaillent à être limités. Dieu travaille à ce que leur vie change, mais eux-mêmes, ils travaillent à être malades, à être bloqués. Est-ce que tu peux commencer à croire, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, à de grandes choses, à croire à des choses merveilleuses, bien-aimé? Je viens te le redire que le changement commence à l'intérieur. Si tu acceptes ta façon de penser, Dieu peut changer ta vie. Tu passes le temps dans la peur, tu passes le temps dans les inquiétudes, tu passes le temps à voir des choses négatives. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à avoir des pensées de défaite, des pensées d'échec et t'attendre à ce que Dieu remplisse ta vie de joie, de puissance et de victoire. Tu ne peux pas continuer à avoir des pensées de pauvreté, des pensées d'insuffisance, des pensées d'impossibilité et attendre que Dieu remplisse ta vie d'abondance. Bien-aimé, c'est incompatible ces deux voies. Il est étonnant aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te le redis, de voir combien de gens ont une mentalité limitée, une mentalité étroite. Ils pensent petit, ils croient petit, ils voient la peur, ils voient que c'est impossible, ils voient que c'est fini, ils voient que Dieu ne répond pas à leurs prières et ensuite, ils s'étonnent que jamais de grand, rien de grand ne leur arrive. Bien-aimé, qui t'a bloqué? Ce n'est pas le diable qui te bloque, c'est ta propre mentalité qui te maintient dans la défaite. C'est ta propre mentalité. Et l'une des erreurs que les uns et les autres font, c'est que tu finis de prier. À peine tu viens de finir de prier, tes pensées commencent. Tu es sûr que Dieu va te répondre. Voilà, alors tu viens de finir de prier. La même situation continue. Ça, tu ne t'en sortiras jamais. Et à peine tu viens de finir un programme de jeûne, de prière, même des sacrifices, tout ce que tu fais là, tu t'assois encore. Tu décris toi-même d'abord ça de l'intérieur. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Et tu es en train de tourner en rond comme dans Deutéronome 1, verset 6 où Dieu leur a dit, assez, vous avez assez, tournez autour de cette montagne. Tu tournes là sur place et tu dis, on me bloque, on me fait ceci. Non, le diable n'a même pas la possibilité à un moment donné, bien-aimé, oui, de te bloquer. Pourquoi? Il peut résister, mais il va lâcher parce que le plus fort est en toi, parce que le Tout-Puissant est en toi, parce que celui devant qui tout genou fléchit est en toi. Mais c'est toi-même le premier à le bloquer pour qu'il ne se manifeste pas à cause de tes pensées qui agressent Dieu, à cause de tes pensées qui bloquent la manifestation de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es là? Oui, Dieu veut te donner de grandes choses, mon frère, ma soeur. Mais toi, au jour d'aujourd'hui, tu places ton standard tellement bas, que Dieu même est dépassé. Je ne suis pas vraiment heureux dans ma vie de couple. Je ne m'attends même pas à quelque chose de mieux pour ce foyer. Oh, je ne suis pas en bonne santé. Je ne peux même pas sortir de mon lit ce matin. J'aime même pas assez d'argent. Je ne pense même pas que je puisse faire ce projet. Je ne peux même pas payer les factures. Voilà, tu te lèves le matin. Voilà ce par quoi tu commences. À peine tu finis de faire ta dévotion matinale, voilà ce par quoi tu commences. Quand même on te parle encore de Dieu aujourd'hui, tu dis, ah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ces prédications, j'ai entendu, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Ça ne pourra rien changer. Et tu t'attends à un changement.
Toi, tu viens de dire quoi? Que ça ne pourra rien changer. À l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est que ça ne pourra rien changer. Alors, tu t'attends à quoi? Tu es le premier bloqueur, si je peux le dire, de ta destinée. Amen, amen. Amen. Dieu veut que tu aies une vie de victoire. Dieu veut que j'aie une vie de victoire. Dieu veut que nous ayons une vie triomphante. Il ne veut pas que nous soyons dans la médiocrité. Bien-aimé, est-ce que tu crois que c'est pour un qu'on appelle El Shaddai? Il est plus que suffisant. Il n'est pas le Dieu au jour d'aujourd'hui de limites, le Dieu qui abandonne ses enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes laissés convaincre par des situations. Nous sommes laissés convaincre par tout ce par quoi on passe. Bien-aimé, au point où on ne pense plus grand. Dans Ésaïe 54, la parole de Dieu nous rappelle, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Amen. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. C'est Dieu qui te parle dans Ésaïe 54. C'est quelle image merveilleuse ça. Dieu te dit, élargis, je vais faire des choses grandes. Toi, tu es dans l'étroitesse. Dieu est en train de te dire, prépare-toi au jour d'aujourd'hui davantage à de grandes choses. Fais-toi une place plus grande. Mais toi, tu dis, non, je ne pense même pas que je puisse encore faire quelque chose. Dieu le te dit et toi-même, tu bloques. Et tu dis, non, au jour d'aujourd'hui, les sorciers m'ont bloqué. Les gens m'ont bloqué. Bien-aimé, est-ce que ta pensée épouse la vision de Dieu? Est-ce que ta pensée voit comme Dieu voit? Amen, amen. Est-ce que ta pensée au jour d'aujourd'hui croit en ce que Dieu dit? Bien-aimé, est-ce que ta pensée au jour d'aujourd'hui est alignée au désir de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu t'attends à quoi? C'est ça à quoi tu t'attends au jour d'aujourd'hui que tu vas voir arriver dans ta vie? C'est ça à quoi tu t'attends au jour d'aujourd'hui? Bien-aimé, que tu vas voir réaliser dans ta vie? Dieu est là dans ta vie au jour d'aujourd'hui pour opérer. Il veut changer ta condition. Amen, amen. Si quelqu'un veut me bénir, si Dieu veut me bénir, voilà les expressions quand on reçoit les gens. Si Dieu veut me bénir, alors il me bénira. Après tout, il est Dieu. Je ne vais pas être trop insistant sur ce dossier. Je n'ai pas à m'attendre à croc. Moi, je veux juste un petit cru comme ça là. Bien-aimé, malheureusement, Dieu va opérer comme tu es en train de dire et penser là. Alléluia. Comme ça qu'il va agir, alléluia. Dieu agit par la foi. Tu dois d'abord croire et ensuite tu vas recevoir. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu avais attendu que Dieu fasse un geste, mais Dieu aussi attend que toi aussi tu élargisses ta foi. Fais de la place, bien-aimé, dans ta propre façon de penser. Fais de la place au jour d'aujourd'hui. Dans ta propre façon de penser, et tu vas commencer à expérimenter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Prête attention aux mots que Dieu utilise. Je viens te le redire ce matin. Dieu te dit élargis, déploie, étire. Amen, amen. Alors fais-le. Il ne te dit pas limite-toi. C'est un Dieu grand. Tu dois toujours faire confiance en Dieu pour beaucoup de choses et pour toutes choses. Alléluia. Tu peux au jour d'aujourd'hui t'en sortir. Tu peux t'en sortir et tu vas t'en sortir. Mais depuis l'intérieur, est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu crois en cela? Bien-aimé. Dieu te dit, si tu fais de l'espace, tu vas recevoir davantage ces bénédictions. Tu vas te répandre à gauche et à droite. Tu as assez tourné en rond. Tout autour de cette situation, tout autour de cette montagne, il est temps pour toi de te mettre en marche. Bien-aimé, je te le redis ce matin, ne sois pas passif. Ne sois pas bien assis, installé dans une vie de médiocrité, d'échec, de stagnation, de limitation, disant c'est mon niveau, disant je ne peux plus rien faire de grand. Dieu veut que tu sois celui qui se lève. Dieu veut que tu mettes fin à la mentalité de défaite dans ton environnement, dans ton bureau, dans ta famille. Dieu veut que tu sois celui qui fixe un nouveau standard. Bien-aimé, lève-toi et au cours de cette saison, refuse de transmettre cette attitude d'échec, cette attitude de défaite à la prochaine génération. Parce que, bien-aimé, l'échec engendre l'échec. Oui, l'échec engendre l'échec. Et la grandeur va également engendrer la grandeur. Alléluia. Tu dois au jour d'aujourd'hui voir comment cet esprit de divorce est brisé dans ta famille.
Mon père était divorcé, ma mère était divorcée, mes grands-parents, mes oncles, mes cousins divorcent. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu dois voir cela s'arrêter par Christ qui vit dans ta vie, par Christ qui est venu changer les situations, par Christ qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Même si dans ta famille, les gens ont passé le temps à divorcer, cet esprit, mon frère, ma soeur, de divorce, cet esprit de célibat, de veuvage prématuré, de défaite, d'échec, bien-aimé, bien qu'il se soit perpétré dans la lignée familiale, bien-aimé, bien qu'il ait continué à se transmettre de génération en génération, tu dois te tenir, prier et prendre la décision que cela, ça suffit. Ça suffit. Ça ne continue pas avec moi comme papa disait. Je ne vais pas permettre que mon mariage éclate. Je ne vais pas mourir dans cette situation. Je ne vais pas mourir dans cette célibat, dans ce célibat. Je ne vais pas mourir sans construire comme mon père n'avait pas construit, dira quelqu'un. Amen, amen. Et tu te mets et déterminé, tu es déterminé à l'intérieur de toi qu'au jour d'aujourd'hui, ma situation change. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu vis des choses qui proviennent d'un héritage familial depuis plusieurs générations. Peut-être que c'est l'alcoolisme. Peut-être c'est la dépendance à la drogue, le suicide peut-être, la pauvreté, la dépression, la colère, la polygamie, la mauvaise estime de soi. Je viens te dire encore ce matin, quel que soit le problème, il y a une bonne nouvelle. Tu as la possibilité de briser ce cycle négatif. Oui, mon frère, ma soeur, vous avez la possibilité de choisir, de vous lever et de dire, avec l'aide de Dieu, je change le cours des choses. Je fais confiance en Dieu. Et je prends la responsabilité de mes propres actions. Je fixe un nouveau standard, bien-aimé, et Dieu va vous aider à briser cette malédiction dans votre famille. Mais sachez une chose, cela demande, bien-aimé, la persévérance et même la volonté. La volonté, et la volonté là ne vient pas de Dieu, la volonté vient de ton ressort. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois commencer à croire que Dieu va te donner des choses meilleures. Ton attitude doit changer, ton intérieur doit changer, tu dois reformater tes pensées. Amen, amen. Je ne m'occupe pas de ce que ma famille a connu comme échec dans le passé, dira quelqu'un. Dis avec moi, je refuse de m'occuper de ce que ma famille a connu comme échec dans le passé. Ça dit, quand je dis je refuse de m'occuper de ça dit je refuse de m'accrocher à ça, de voir que ça va m'arriver, de vivre cela. Je refuse ça, je refuse ça. Déclare avec moi, je déclare avec audace que je suis plus que vainqueur. Peu importe combien j'ai été brisé, je déclare que je vais prêter et non emprunter. Oui, mon frère, ma soeur, déclare cela, même si tu as encore emprunté hier. Déclare au jour d'aujourd'hui que je vais prêter et non emprunter. Je déclare que ce cycle de dette est brisé. Je déclare que ce cycle de maladie est brisé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne saura m'atteindre, ma maison et moi, au nom de Jésus. Amen, amen. Je déclare que mes ennemis n'auront pas le dessus sur moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et désormais, je déclare, je ne suis plus une victime. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. Au nom de Jésus, je ne peux pas être maudit. Je suis béni. Je ne peux pas être maudit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Prends toi-même la décision au jour d'aujourd'hui de mettre du feu, du feu, du feu dans ton esprit. Amen, amen. Commence à t'exprimer en termes de victoire. Cesse de t'exprimer en termes de défaite. Tes paroles ont un pouvoir très étonnant. Très, très, très étonnant. On le verra toujours. Tes paroles ont un pouvoir très étonnant. Je dis, cesse de t'exprimer en termes de défaite, en termes de c'est fini, en termes de malheur, en termes de je suis mort ou non, 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 non. Non. Cesse de mentionner ce que tu ne peux pas faire et commence à dire ce que Dieu peut faire. Cesse de mentionner ce que tu ne peux pas faire. Commence à dire ce que Dieu peut faire. Garde ton esprit fixé sur la bonté de Dieu. Demeure dans une attitude de foi, mon frère, ma soeur. Demeure dans une attitude de victoire et tu ne vas plus vivre sous l'esclavage qui s'est transmis de génération en génération dans ta lignée sanguine. Prends, bien-aimé, position et sois celui-là,
sois celle-là qui va faire la différence dans la famille. Va au-delà des vieilles barrières du passé. Est-ce que tu me suis? N'acceptons plus tout ce qui se passe dans la famille qui s'est passé là, comme au jour d'aujourd'hui, une fatalité. Nous pouvons changer les choses et nous avons la possibilité de changer les choses par Christ qui habite en nous. Dis avec moi, je suis né pour gagner. Je suis né pour gagner. Je suis né pour être grand. J'ai été créé pour être un champion dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, même si tu te disais, jamais personne dans ma famille n'a connu le succès, donc je ne vois pas comment je pourrais avoir le succès. Change tes pensées. Peut-être justement que personne n'a jamais vraiment pris Dieu au mot dans ta famille aussi. Je viens t'exhorter encore ce matin. Fais tomber ces barrières du passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. La parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Lamentations que Dieu renouvelle ses bontés envers nous chaque matin. Tu ne connais pas ce que Dieu a en réserve pour toi ce matin, en cette fin du mois, en ce nouveau mois, en cette année 2024. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc ne reste pas là à dire, voilà, nous sommes déjà au mois de septembre qui est encore fini. Oh. Ma vie est vraiment finie. Oh. Et rien ne s'est passé. Voici l'année qui s'achève. Je n'ai encore rien réalisé. L'année s'est achevée. Où est le Dieu qui a créé les cieux et tout en 6 jours, la terre en 6 jours? Où est le Dieu qui a fait asseoir Joseph sur le trône en 24 heures? Joseph s'est levé le matin étant esclave. On est venu l'appeler. Il savait que c'est comme d'habitude. Le même soir, il était assis sur le trône. Il était marié, il avait une maison, il avait une femme, il avait à tout. Le même jour, le Dieu de 24 heures. C'est ce Dieu que nous servons. Le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui fait qu'on se souvienne de toi et on t'appelle. Oui, on t'appelle pour ce dossier. Je dis, on t'appelle. C'est le Dieu de 24 heures et on t'appelle favorable. On t'appelle que c'est ouvert. On t'appelle qu'on t'a pris. On t'appelle pour signer ce contrat. C'est le Dieu de 24 heures. Alors ne t'assois pas au jour d'aujourd'hui pour dire, non, ma vie a souvent été et je sais que ce sera souvent comme ça. Non. Ce nouveau jour t'apporte de bonnes nouvelles. Cette fin de mois, ce nouveau mois, cette fin d'année, c'est des bonnes nouvelles. Vois grand. Sois reformé, reformaté, reformate toi-même depuis l'intérieur. Sois récréé dans le nom puissant de Jésus. Tu sers le Dieu de 24 heures. Alors change tes pensées. La mentalité que tu es là, que nous sommes déjà en fin d'année, rien de bon ne se produit. Est-ce que tu peux aussi t'asseoir et compter les choses que Dieu a faites depuis le début d'année que tu n'as même pas demandé? Peux-tu compter au jour d'aujourd'hui le nombre d'accidents, le nombre de morts, de tragédies dont il t'a préservé? Combien ont commencé l'année et ne sont plus avec des milliards, avec des ceci, avec de cela. Mais malgré que tu aies bu de l'eau et mangé du tapioca ou je ne sais quoi, mais tu es toujours en vie et il a davantage de bonnes choses pour toi. Il renouvelle ses bontés envers nous chaque matin et chaque matin se lève avec une nouvelle provision. Je prie par le nom de Jésus-Christ que la provision pour ce jour te visite, que la provision pour ce jour même me visite. Dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'inonde. Même si tu as eu un rêve et que ce rêve au jour d'aujourd'hui, c'était un rêve de misère, de pauvreté, de stagnation, de limitation, d'échec, de mort, je viens te dire, ayant fait ce rêve, lève-toi, rends grâce à Dieu qui t'a montré les projets de l'ennemi, annule ce programme des ténèbres et vois ce que Dieu dit dans la parole. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Tu ne mourras pas avant ton temps. Vois ce que Dieu dit, j'accomplis le nombre et remplis le nombre de tes jours. Tu es un succès et non un échec. Vois ce que Dieu dit malgré le rêve que tu aies fait. Le Dieu qui a restauré, qui dit restaurer les années perdues, me restaure. Donc même si on m'a volé quoi, j'ai dit, il me restaure, je récupère ce qui me revient dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vais de gloire en gloire. Je ne suis pas stagnant, je ne rétrograde pas. Puissance de rétrograde opérant dans ma vie soit brisée. Puissance de la mort oppressant ma maison soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, puissance de la stagnation, travaillant pour me maintenir sur place, tu es brisé, je vais de l'avant. Celui qui habite en moi ne peut être retenu. Celui qui habite en moi ne peut être bloqué. On l'a enfermé dans une tombe, on a mis une grosse pierre, on a placé des gardes. Lorsque l'heure de sa sortie est arrivée, les anges ont roulé la pierre. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, toute pierre, tout obstacle au devant de moi est roulé.
C'est le Dieu que je sais. Il roule les pierres. Le Dieu que je sais, même lorsque Hérode a fini de décider dans Actes chapitre 13 que c'est fini pour Pierre, Actes 12, c'est fini pour Pierre, ce Dieu, par la puissance de la prière de l'Église, se lève et visite Pierre par un ange, le sort de prison, avec toutes les chaînes, avec tous les gardiens. C'est le même Dieu que nous servons. Donc même si tu t'es vu enfermé dans la même tombe que ton ancêtre, dans la même tombe que les Mbombo et tous les comme si et tout ça de ton village, tous les vaudouismes et tous les hindouismes de ton village, même si tu t'es vu enfermé dans l'eau, dans l'air, dans la lune, dans le ventre, dans les crampes de ta mère, sache au jour d'aujourd'hui qu'aucune prison ne peut résister au nom de Jésus. Cette prison-là éclate. Ta vie sort de prison. Ta grandeur sort de prison. Ton étoile sort de prison. Tu sors de cette prison de la maison de ton père et de ta mère. Tu sors de cette prison qui a retenu ton père et ta mère. Tu sors de cette prison où on t'avait attaché dans une maison où tu as grandi, où tu as dormi. Tu sors de cette prison où les uns et les autres disaient que c'est ici que tout le monde est retenu. Par la puissance dans le sang de Jésus, tu sors. Tu ne peux pas être retenu. Si l'enfer n'a pas pu retenir celui qui habite en toi, alors sache une chose aujourd'hui, tu ne peux être retenu quelque part parce que celui qui habite en toi qui est d'abord sorti, il est en toi pour te faire sortir de toute forme de prison. Alléluia. La prison de la mort, là, ne peut pas t'emporter. Celui qui sort des prisons habite en moi. Celui qui a visité Paul et Silas dans Actes 16 habite en moi. Aucune prison ne peut me retenir. Celui qui a renversé les murs de Jéricho habite en moi. Je prends ma volonté à main. Je crois en lui et j'avance dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que des grandes portes qui sont ouvertes au-devant de moi, et devant lesquels l'ennemi résiste, il va seulement lâcher. Il va lâcher. Il les lâche. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le monde a dit, à tel âge, tu ne peux plus accoucher. Les médecins disent, à tel âge, tu ne peux plus accoucher. Tu connais combien de diagnostics ont été donnés dans ma vie? Moi, Zoani Flore, que je ne peux pas enfanter. Combien de spécialistes en gynécologie dans cette nation? Est-ce que tu connais ce que Dieu a fait de moi? Je suis mère d'enfant et je viens t'annoncer que je n'ai pas encore fini. Alléluia. Donc aujourd'hui, ça doit commencer à l'intérieur de toi. Creux de forteresse, de peur, d'échec, d'impossibilité. Non, tu vas t'en sortir. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut te bloquer en dehors de toi-même. Oui, tu es celui-là qui va relever la barre très haut au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui. Donc, ne pense pas que quand tu pries au jour d'aujourd'hui, tu es en train de déranger Dieu. Non, 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 non. Dieu est présent. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Tu ne le déranges pas. Dieu veut te donner ta propre maison. Oui. Dieu veut te donner d'accomplir ce grand rêve qu'il a placé en toi. Comment pourrait-il m'arriver? Tu te poserais cette question. Je ne gagne pas assez d'argent. Ma situation ne me permet même pas au jour d'aujourd'hui d'avoir le terrain. Comment est-ce que je vais commencer à penser à une maison? Je pense seulement à ce que je peux manger au jour d'aujourd'hui et j'avance. Est-ce que je vais aller avec les maisons au ciel? Mentalité d'échec. Mentalité d'échec. Même si tu ne vas pas aller avec les maisons au ciel, pourquoi est-ce que Dieu au jour d'aujourd'hui nous a donc d'abord donné la domination sur terre? Il nous a donné la domination sur terre pour régner. Papa nous le dit souvent, il ne nous a pas sauvés pour nous amener directement au ciel. C'est pour que nous régnions d'abord sur terre. Que son nom soit connu sur terre dans sa grandeur et sa toute puissance. Amen, amen. Bien-aimé, même si tu as des difficultés financières, non que Dieu n'a pas de difficultés financières et sachant que tout lui appartient. Amen. Croyons en lui pour de grandes choses. Croyons en lui pour de grandes choses. Amen, amen. Croyons en lui pour de grandes choses. Croyons en lui pour de grandes choses. Amen, amen. Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner alors une petite promotion afin que je puisse joindre les deux bouts? Dieu ne veut pas t'aider à joindre les deux bouts. Dieu veut au jour d'aujourd'hui que tes besoins soient satisfaits selon sa grandeur et que son royaume avance avec tout ce qu'il dépose dans tes mains. Il ne nous donne pas les miettes. L'heure des miettes est brisée. Par le nom puissant de Jésus, voyons grand, demandons grand au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons grand, voyons grand. Et demandons grand au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu dit, tu es assez demeuré tout autour de cette montagne. C'est le moment, mon frère, ma soeur, d'aller vers un nouveau niveau. C'est le moment d'avoir une vision renouvelée. Va au-delà des barrières du passé. Va au-delà
des barrières de ta famille, des barrières de ta tribu, des barrières de ta région. Bien-aimé, abat les forteresses dans ton esprit. Renverse les forteresses de peur, d'échec, de stagnation. Renverse les forteresses de célibat, de divorce, de mort prématurée. Renverse-moi ces forteresses de limitation. Souviens-toi encore ce matin que tu dois changer ta mentalité. Ne tiens pas compte de ce qu'un membre de ta famille a fait ou n'a pas fait. Ne tiens pas compte de ce que même ton pasteur n'a pas pu faire. Ne tiens pas compte, au jour d'aujourd'hui, des limites qui oppressent les gens dans ton environnement, dans ton bureau. Ne tiens pas compte de ça. Tiens compte du grand Dieu qui habite en toi, du grand Dieu qui a versé de son sang pour toi et qui a de grandes choses pour toi. Bien-aimé, sois celui-là qui affecte les générations à venir. Sois celle-là, soyons ceux-là qui affectent les générations à venir avec de très grandes choses. Moi, je sais, le grand Dieu habite en moi. C'est pour ça qu'il me donne de faire de grandes choses. C'est pour ça que je vais de l'avant. C'est pour cela que je persévère. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, que je n'abandonne pas et je ne me décourage pas. Et je sais, au jour d'aujourd'hui, que toi aussi, tu vois cela. Je sais que tu crois en cela. Et par le sang de Jésus, toute forteresse qui était établie en toi, d'échec, de peur, toute mentalité de défaite, toute mentalité de c'est fini, c'est impossible. Ce matin, que ton cerveau, tes pensées soient lavées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, commence à penser grand, commence à voir grand, commence à penser possible, commence à voir possible dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'environne, que le sang de Jésus te couvre, tes sorties, tes entrées sont bénies. La provision de Dieu pour ce jour nous est accordée à toi et à moi dans le nom de Jésus, à ma maison, à ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Aucun mal, aucun fléau, au nom de Jésus. La peur quitte tes entrailles, la peur de conduire, la peur de faire ci, la peur de faire ça, la peur de faire ça. Ce qui a tué ton père là ne va pas t'emporter. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu prends conscience que le plus grand habite en toi. Tu déclares, tu crois, tu brises ces barrières de peur, tu brises ces barrières d'échec et de mort. Tu vois Christ en toi, tu vois Christ ayant porté ses malédictions sur lui. Et tu déclares à ce démon de la peur, à ce démon de la mort prématurée, tu n'as pas de place en moi. Ce que tu avais fait à mes pères, tu ne peux pas me le faire. Le sang de Jésus est contre toi. Que la grâce de Dieu, tu donnes, mon frère, ma soeur, soit bénie. Shalom.